je m'appelle Sylvain Dubé, j'ai 42 ans. J'ai un doctorat en biologie et je suis cofondateur de AgroSustain et actuellement je m'occupe de la recherche et le développement au sein de la société. Au sein de AgroSustain, on développe différents types de produits qui permettent de réduire le gaspillage alimentaire. Actuellement, nous développons des fongicides biologiques ainsi qu'un biofilm pour mettre sur les fruits après la récolte pour réduire par exemple les pertes d'eau. Donc on agit autant avant la récolte qu'après la récolte au niveau du gaspillage alimentaire. Alors je dirais que l'idée de créer une société vient du doctorat de ma femme Olga Dubé, donc qui a germé à la fin de son doctorat il y a environ 5 ans. Et il y a 3 ans, on a fondé la société. On était 2 au début et puis maintenant on est une dizaine d'employés. Donc c'est un petit peu ça l'origine de la société. Bon, alors je dirais qu'il y a beaucoup d'événements marquants au sein d'une start-up. Tout va très vite, c'est assez excitant, etc. Donc, c'est trop long pour faire la liste, hein, mais sur la création, pour moi, c'était le moment le plus excitant. Une problématique qui est extrêmement importante, c'est aussi le centre de AgroSustain, de la société, c'est de développer des produits qui permettent de réduire le gaspillage alimentaire, des produits biologiques qui permettent de remplacer aussi dans le futur les produits synthétiques, tous ces pesticides qui sont extrêmement nuisibles pour l'environnement. Le prochain défi, qui est le défi de toutes les startups, hein, c'est de mettre les produits sur le marché. Donc nous, on espère pouvoir mettre notre premier produit à fin 2021. Bon, alors, l'envie de créer une société, c'est vraiment pouvoir être indépendant, ne pas avoir de cadre, pouvoir développer quelque chose du début jusqu'à la fin. Et puis, c'est ça le plus important. Et puis aussi d'avoir un vrai impact potentiel sur l'environnement en réduisant le gaspillage alimentaire. Bon, c'était à moi ou à tout le monde, donc c'est de rester en bonne santé avec le Covid. Et ensuite, c'est que la société se développe correctement et qu'on puisse mettre nos premiers produits sur le marché à la fin de l'année.